Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais C'est genres. Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux des shorts de la semaine. On vous a fait voter sur Bad News. On vous a dit, est-ce que vous voulez que Bad News passe le dimanche et plus le mardi? Vous avez dit, non, on veut que ça reste le mardi. Ok. Mais du coup, on sera là aussi le dimanche. Voilà. À midi. Il y en a qui vont se plaindre. C'est normal. On est des humains. Une statue de la Vierge Marie a été inaugurée en Sardaigne. Sauf que c'est une statue nouvelle vague. Une statue art moderne. Le corps ressemble à une vulve et la tête à un clito. Amen, Tachnek. Un Anglais s'est retrouvé aux urgences de l'hôpital avec un obus de la Seconde Guerre mondiale coincé dans l'anus. L'homme a expliqué, hein. J'ai glissé, je suis tombé et hop, 17 cm sur 6 cm de large. Pas mal. Le sexe de Rocco Siffredi est entre 23 et 25 cm. Hey, salut, c'est les shorts de Bad News. Tu regardes les Bad News version longue? Non? Va vite sur la chaîne. Hey, tu sais quoi? On a sorti un album pour Noël. Ça s'appelle Bad News Putaclic. Tu peux retrouver notre album sur toutes les plateformes de streaming. Tu verras, il y a des chansons rigolotes. Une Bad News sans costume et sans décor à Aubenas, en Ardèche. Un jeune homme a été refusé comme Père Noël parce qu'il n'était pas blond, aux yeux bleus. Le recruteur était néo-nazi et voulait que des gens de race aryenne pour être Père Noël. Logique? L'avion de Swiss International Airlines qui décollait de Londres pour rejoindre Zurich a dû faire demi-tour car ça sentait les chaussettes sales. Et c'était des chaussettes sales. Voilà. À Besançon, un homme de 37 ans a attaqué des fleurs, puis la porte d'un ascenseur, puis il jette une fenêtre du 10e étage. Oui, il est monté au 10e étage, il a frappé chez des gens, il a réussi à rentrer, il a dégondé la fenêtre et il l'a jeté par la fenêtre. Il a jeté une fenêtre par la fenêtre. La police l'a arrêté, il était fortement alcoolisé. A priori, il déteste les objets. Ouais, c'est le réveillon! Un jour de réveillon, un homme de 36 ans a dit à tout le monde qu'il allait tuer sa mère. Il a même fait mieux, il a mis un compte à rebours. Et c'est le compte à rebours où il disait, compte à rebours où je vais tuer maman. Il est allé chez ses parents, alors que bah, il s'entendait plus trop avec eux. Ses parents avaient des amis à la maison. Il est rentré dans la maison, ils ont fait, mais merde, on l'avait pas invité. Il s'est assis dans le canapé, les a regardés. Les gens ont continué à faire comme s'il n'était pas là. Et à minuit, au moment où il a dit où il tuait sa mère dans le compte à rebours, il l'a égorgé. Chez l'homme, la durée de l'orgasme qui s'accompagne d'une éjaculation varie entre 10 et 30 secondes. C'est pas beaucoup. Mais chez le cochon, on part de 6 minutes 30 et ça peut aller jusqu'à 31 minutes. Un cochon peut éjaculer pendant 31 minutes. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi à 17h45 pour Bad News, version longue, et tous les jours vers 17h45 pour des shorts. À bientôt. Belle, comment peut-on imaginer?